infinite power. Yo tout le monde, c'est ToxicAngelaz pour une nouvelle vidéo sur GTA V. Donc alors on se retrouve pour un petit tuto. Donc alors qu'un abonné m'a demandé de faire, donc c'est pour faire un looping. Donc alors c'est parti, donc on va tout de suite commencer ça. Donc alors pour faire un looping, vous devrez vous rendre dans l'éditeur de course, d'affrontement, n'importe. Vous devrez faire course, créer une course terrestre. Ensuite vous rendrez n'importe où vous voulez. Moi je fais sur l'aéroport de Trevor parce que c'est là l'endroit où il y a le plus de place. Ensuite donc là vous allez placer une zone d'activation. Hop. Un point de passage, donc la grille de départ, donc hop on s'en fout. Là ensuite vous allez vous rendre dans l'élément de décor. Là maintenant, arrivé dans les éléments de décor, vous allez dans machine, voilà. Là vous allez voir qu'il y a une rampe. Donc moi je vais m'aider des carrés. Ça va beaucoup mieux. Voilà. Hop, je vais mettre des carrés. Ensuite, vous allez prendre la machine. Vous allez poser la machine à terre. La reprendre pour pouvoir superposer des éléments de décor. Ensuite, vous allez mettre la machine juste à la hauteur de la rampe. Et vous allez faire vite flèche de droite, croix. Très rapidement. Donc c'est parti, flèche de droite, croix. Jusqu'à temps que vous y arrivez, voilà. Là, c'est pareil, vous posez, vous reprenez, vous mettez juste en haut. Flèche de droite, croix, voilà. Donc c'est vraiment très facile une fois que vous avez l'astuce en main. C'est très simple. Ah voilà, flèche de droite, croix. Voilà. Donc après, ça va beaucoup plus se compliquer. Flèche de droite, croix. Tac. Hop, on pose, on reprend. Là, non, là je peux corps. Voilà, arrivé ici. Donc une fois que vous aurez 1, 2, 3, 4, 5 rampes comme ça, vous ne pourrez plus mettre de machine en hauteur. Regardez, vous pourrez plus la mettre là, à cette hauteur là. Donc vous allez aller dans panneau, vous descendez, vous prenez flèche de panneau, flèche droite ou n'importe. Tant que vous pouvez mettre un truc en haut. Ensuite vous remontez et là vous allez faire flèche de gauche croix. Donc hop, flèche de droite croix. Voilà, donc moi je suis retourné à droite vu que je sais que j'ai pas réussi. Flèche de droite croix. Tac. Flèche de droite croix. Donc on va y aller doucement. Flèche de droite croix. Flèche de droite croix. Flèche de gauche pardon. Flèche de gauche croix. Voilà. Donc là je me suis fail. On va recommencer. Hop, bien sûr il faut que le panneau il soit assez perpendiculaire à la rampe. Donc hop, c'est parti. Donc ça vous devrez le faire pendant deux rampes, donc celle-ci et celle au-dessus. Donc attendez, il faut que j'y arrive. Alors, c'est la première fois que j'arrive pas. Voilà. Là, vous refaites, pareil. Yes. Voilà, vous reprenez un panneau. Là, c'est la dernière que vous pourrez mettre comme ceci. Voilà. Arrivé ici. Donc, une fois que vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rampes. Là, vous allez prendre la rampe. Voilà. Vous la laissez dans ce sens-là. Donc comme si que vous continuez et vous la laissez dans ce sens là. Vous allez vous mettre derrière la rampe qui est déjà bien montée. Vous allez poser la rampe au sol, la reprendre. Et là vous allez vous rapprocher très près. Et vous pouvez voir que, regardez, quand vous reculez, il y a une rampe qui se met. Regardez, il y a la rampe qui est fort, qui se met droite. Donc là vous allez vite reculer et faire croix très rapidement. Donc c'est une manip très dur à prendre en main, mais une fois que vous avez le faire, ça va tout seul. Donc le plus dur c'est la première à mettre, et après ça va vraiment facile. Donc le mieux c'est de faire se rapprocher pour dire que ça aille mieux. Donc il faut être vraiment très rapide.
Voilà. Donc là, vous verrez que ça donnera ça. Ensuite, vous refaites pareil. Hop, vous la reposez, vous la reprenez. Vous voyez que là, ça se met facilement. Voilà. Vous reposez, vous reprenez. Vous refaites pareil. Alors. Voilà. Vous reposez, vous reprenez. Ça. Tout le temps comme ça. Jusqu'à temps que vous ne pouvez plus. Donc je vais mettre ça en accéléré pour pas que la vidéo soit trop longue. On se retrouve après. Donc voilà, donc on se retrouve, donc vous pouvez voir que le looping est déjà bien avancé. Donc ça fait, ça donne ceci. Donc arrivé là, donc là c'est là que ça devient le plus dur. Vous devrez reprendre une rampe et refaire comme au début. Donc moi j'ai beaucoup de mal pour le faire ça. Je trouve quand même que c'est assez chaud. Donc voilà. Donc je vais pas le faire. Vous refaites comme cette rampe-ci, mais vous essayez de bien cadrer. Donc à chaque fois, moi j'arrive pas à bien cadrer pour que la rampe soit bien nickel, que ça ne fasse pas de boss. Donc voilà. Donc voilà. Donc c'est la fin de cette petite vidéo sympa. Je vous remercie de m'avoir regardé. Au passage, mettez un petit like à la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, laissez un petit commentaire si ça vous a plu, partagez la vidéo à max de fois. Et moi, je vous laisse sur ces images. Ciao tout le monde!